Je me trouve à l'aéroport de Montréal dans cet instant. Je suis dans cet instant à l'attente de la sortie de mes enfants pour cette porte. Ouais, on a apporté même des drapeaux du Canada et de Québec, les deux. On va rigoler. Mais et Susanna, elle est là. Et sachez que Susanna et moi, on est venus un mois et demi en avance pour préparer les choses. On est venu, on a acheté une voiture, on a trouvé une location, une maison. On a acheté pas mal de choses, le lit, les fournitures. On a préparé d'autres choses en pensant toujours à l'arrivée de nos enfants. Et voilà, le jour arrive et je me retrouve avec une émotion que je n'ai pas du tout réfléchi. Je n'ai pas pensé à ces moments-là. Je suis vraiment à l'expectative de voir les enfants, leur visage. Je suis vraiment ému, motivé. Et j'attends, j'ai hâte de retrouver mes enfants à travers ces portes parce que nous nous sommes tellement investis, Susanna et moi, pour préparer l'arrivée de nos enfants que on a hâte, vraiment, on a hâte. Ça, c'est la question, ça, c'est le mot. On a hâte. Et ça m'a fait réfléchir dans le verset que vous connaissez très bien, c'est le verset de Jean chapitre 14 où Jésus il a dit: voici, je pars, je vais vous préparer une maison, un foyer, et je reviendrai vers vous de manière que là où je serai, vous serez avec moi. Et alors, je suis sûr et certain qu'il est très ému, très motivé dans le sens de cette émotion de préparer un foyer pour moi, pour Pedro, pour Susanna, un foyer, une maison pour toi. De préparer quelque chose. Et de la même manière que d'autres fois, je parlais par rapport à la venue de Jésus du point de vue de celui qui est l'invité. Et cette fois-ci, je parle du point de vue de celui qui est en train de préparer l'arrivée des invités. Et je vous dis, je ne m'attendais pas à avoir ces émotions que je ressens maintenant, de revoir mes enfants ici. Et j'ai hâte de conduire, de les amener à la maison, et de leur dire, voici votre nouveau quartier, voici votre nouvelle maison, votre foyer. Ça, c'est le nouveau pays qui vous accueille. Vous voyez, on a même les drapeaux, comme je dis. Et voir la réaction, observer la réaction dans leur visage. Je suis vraiment, comment dire, touché à l'attente. Alors, imagine-toi, Jésus, qu'est-ce qu'il peut ressentir dans cet instant? Pareillement, il a hâte de voir ton visage, de ce jour, que ce jour de son retour, où nos cherchés arrivent. Jésus, il a hâte de voir ton visage et voir ta réaction lorsqu'il te dit, voici ta nouvelle maison, la maison que je préparais pour toi. Voici le nouveau quartier, le nouveau pays que je préparais pour toi. Est-ce que tu veux nous rejoindre dans cette nouvelle aventure ?